Chaque année, partout en France, des citoyens, des associations, des professionnels organisent simultanément des actions publiques d'information et de réflexion sur la maladie mentale. Ces actions sont regroupées sur 2 semaines de façon à obtenir une meilleure visibilité médiatique. Ce sont les semaines d'information sur la santé mentale dont le thème est différent chaque année. L'édition 2018 a choisi santé mentale, parentalité et enfance. Ces semaines sont coordonnées à l'échelon national par un collectif de 25 partenaires. À l'échelon local, la manifestation de ce soir a été organisée par la communauté d'agglomération du Bergerois, le centre hospitalier de Vauclair et l'UNAFAM, ainsi qu'un ensemble de partenaires. J'en profite pour excuser l'absence de M. Ben Fedoul, vice-président de la CAB, qui était retenu par des engagements antérieurs. Cette manifestation est également soutenue par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. La 29e édition des SISM a été placée sous le signe de la parentalité, pas la parentalité habituelle, déjà compliquée, mais celle plus complexe encore entre un parent et un enfant où l'un des deux est différent. Environ 20% des enfants et des adolescents dans le monde présentent des troubles ou des problèmes mentaux. En France, c'est un enfant sur 8 qui serait concerné par ces troubles. Dans la moitié des cas, les troubles mentaux se déclarent avant l'âge de 14 ans. Ces troubles figurent parmi les principales causes d'incapacité chez les jeunes dans le monde. C'est une source de l'OMS. Et chaque enfant en souffrance, c'est autant de familles touchées qu'il faut aider et soutenir. Et les parents ? Si la naissance d'un enfant est un événement clé dans la vie, il est aujourd'hui reconnu que l'accouchement peut engendrer divers troubles psychiques maternels. La dépression postnatale concernerait entre 10 et 20% des mères. Quant au baby blues, il toucherait entre 50 et 80% des femmes et 5 à 10% des hommes. La parentalité est également difficile lorsque l'un des deux parents est lui-même en souffrance chronique ou confronté à des troubles psychiques avérés. Le thème 2018 est donc particulièrement vaste, mais l'objectif est unique. Au final, il s'agit de favoriser la rencontre de parents inquiets, mais ne se l'avouant pas, avec des professionnels capables d'entendre cette inquiétude non exprimée. Surtout, c'est encourager à en parler, puisqu'une prise en compte précoce des troubles conditionne favorablement leur évolution. Comme je le précisais en amont, le thème retenu pour cette 29e édition, parentalité et enfance, se déclinera ce soir autour du oui au non bienveillant à l'enfant, illustré au cours de la conférence débat qui va débuter dans quelques instants et qui sera animée par M. Bertrand Quentin, maître de conférence en philosophie à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, également chercheur au LIPA Paris-Est et responsable du Master 1 d'éthique médicale, sociale et hospitalière. Que, au nom du collectif d'organisateurs, je remercie chaleureusement pour sa présence parmi nous. Son regard philosophique sur le handicap psychique et mental sera l'occasion, à la suite de son intervention, d'échanges avec la salle que j'imagine riche et passionnée. Avant de conclure, mes remerciements sincères pour l'organisation de cette manifestation vont vers Madame Augier-Cléry, Madame Ballon, du centre hospitalier de Vauclair, Madame Chabot de la communauté d'agglomération bergeracoise, Madame Martine Dos Santos de l'UNAFAM, et également un remerciement à la Fondation John Bosch qui nous ont offert ce délicieux cocktail dînatoire. Alors, je vous remercie en vous souhaitant une bonne soirée. Alors bonsoir d'abord à tous ceux que je n'ai pas croisés cet après-midi et bienvenue. Je représente ici l'association nationale UNAFAM dont je dirais que je suis madame UNAFAM Dordogne, hein, comme ça, ça sera plus. Avec une quinzaine de bénévoles qui accueillent, soutiennent, orientent et représentent les familles et proches de personnes souffrant de troubles psychiques sévères et durables. Tels que schizophrénie, bipolarité, psychose grave, dépression sévère, troubles obsessionnels compulsifs. Mais au-delà de ces missions qui sont suivies depuis bien longtemps, depuis les années 60, il me semble, par l'UNAFAM, aujourd'hui, cette association intensifie son action auprès des parents ayant des enfants
ou des adolescents avec des troubles psychiques, psychologiques, des troubles du comportement, en mettant en place un dispositif spécifique pour l'aide aux parents. Donc, je pense que la FAM, depuis longtemps, traite ce genre de choses. Hein. Il y a beaucoup de guides anciens qui existent de la FAM, où on parle de la problématique de l'adolescence, de l'enfance. Mais aujourd'hui, ça fait partie du projet associatif de l'association de mettre deux choses en avant. D'abord, changer le regard, toujours insister là-dessus, changer le regard sur ces pathologies, c'est essentiel parce que si on ne met pas les gens à l'écoute, rien ne se fera correctement. La deuxième chose, c'est vraiment d'intensifier cette action, c'est-à-dire que nous, délégations, les 100 délégations de l'UNAFAM, vont mettre en place une nouvelle approche pour que les jeunes parents viennent vers nous lorsqu'il y a une problématique, afin que nous fassions comme pour les parents de jeunes adultes, que nous les écoutions, que nous prenions en compte les difficultés, que nous les aidions peut-être à savoir où ils en sont, et ensuite que nous les orientions vers les bons professionnels. Voilà, c'est peut-être toujours ce soutien, sachant que le siège parisien met à disposition une équipe de professionnels capables de répondre par téléphone à des parents inquiets qui ne savent pas vers qui se tourner. Ce dispositif, donc, au sein de l'UNAFAM, a l'ambition de compléter évidemment l'ensemble des possibilités de soutien proposées aux familles pour leur permettre d'exprimer leurs inquiétudes dans leur globalité. Et nous, les bénévoles accueillants, de les écouter, de les orienter, comme je vous ai dit, vers les bons professionnels, tout en leur proposant l'outil indispensable, le partage et l'entraide entre pairs, P-A-I-R-S, au sein d'un groupe de parole spécifique animé par un psychologue. C'est la prochaine mise en place, dès que ce sera possible de former un groupe. Aujourd'hui, nous illustrons un sujet qui est en fait un enjeu de société. C'est un peu aussi par rapport à ça que nous avons fait le choix de la venue de M. Bertrand Cantat. La santé mentale. L'OMS dit qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et il n'y a pas que l'OMS, moi je le dis aussi. Et il s'agit ici plus particulièrement de la construction de la santé mentale dès le plus jeune âge, et plus encore de savoir dire non à l'enfant pour fabriquer un cadre, d'où le oui ou non bienveillant de notre thème. Je n'ai pas besoin de présenter M. Bertrand Cantat, certains l'ont déjà salué, et Mme Sellerier l'a annoncé. Donc, je voudrais simplement dire qu'à l'issue de cette conférence, M. Bertrand Cantat se prêtera à une séance de signature pour ceux qui souhaiteraient acheter son livre qui s'appelle... Ça y est... Excusez-moi, j'ai des trous comme ça, c'est bizarre. La philosophie par rapport au handicap. Et c'est inadmissible parce que le livre, je l'ai acheté, donc je devrais quand même connaître le titre. Voilà, à l'accueil, nous vous avons aussi remis des feuillets pour y inscrire vos questions éventuelles. Nous les collecterons à l'issue de la conférence afin que M. Cantat y réponde. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Et M. Cantat, je crois que c'est à vous. Michael Faraday est ce grand inventeur qui a découvert l'induction électromagnétique. Pour ceux qui ne sont pas très connaisseurs, c'est le fait de générer de l'électricité à l'aide d'un aimant en mouvement. On lui a alors demandé à quoi cette découverte pouvait bien servir. Et il a répondu, quand un enfant naît, vous ne demandez pas à quoi il sert. L'épanouissement des enfants d'aujourd'hui passe par le fait que nous les accueillions sans qu'ils ne doivent être trop pris en otage par les catégories de l'utile. Et c'est un danger peut-être encore plus grand face à un enfant handicapé. La société est devenue tellement normative quant au poids, à la taille des bébés, à leur développement cognitif, que l'on peut nous faire oublier
la merveille de la simple rencontre avec notre enfant. La naissance a toujours été un événement chez les hommes, le plus souvent moment de joie et de fête. Les sociétés contemporaines, occidentales, ont cependant apporté une nouveauté en ce que la maîtrise de l'aspect néonatal par l'appareillage technique a permis de réduire drastiquement la mortalité du nourrisson. Dès lors, et dans la mesure où l'investissement culturel et économique s'est accru comme jamais en direction du petit homme, les couples contemporains se sont mis à planifier les deux ou trois enfants de leur vie. Pas un de plus. La concentration culturellement prévisible du nombre d'enfants d'un couple contemporain polarise de ce fait sur les deux ou trois accouchements d'une existence une émotion plus forte encore que celle de tous les couples humains jusque-là. La naissance va être joie. Et c'est là que peut intervenir la violence d'une réalité inattendue, l'accouchement d'un enfant à handicap. On peut ici, comme je l'ai fait dans mon ouvrage « La philosophie face au handicap », remarquer le relativisme des perceptions sociales. Ce qui fait le plus peur aux parents d'aujourd'hui, c'est la trisomie ou un problème mental. Chez les Grecs ou les Romains, en revanche, un problème mental n'aurait pas été considéré comme une justification pour se défaire d'un bébé. C'était beaucoup plus grave d'avoir un bébé qui, par exemple, avait un doigt surnuméraire, une main. 6 doigts à une main, c'était considéré comme quelque chose de très grave. C'était la difformité physique qui inquiétait. Les problèmes mentaux ou psychiques pouvaient être interprétés comme ouvrant à un lien possible avec les dieux. Avec le handicap mental, il ne s'agissait pas d'un physique prodigieux qui vous retranchait de l'espèce humaine, mais d'un esprit qui, jusque dans ses obscurités, pouvait servir de pont avec le monde du divin. La peur pour l'espèce se cantonne donc dans l'Antiquité à la déficience physique. C'est comme dans un sketch. Voilà. Première partie. On n'a pas les moyens de la zapette. Enfin, souvent, les zapettes fonctionnent mal. Première partie, naissance contemporaine d'un enfant handicapé. Les statistiques sont telles aujourd'hui que la naissance d'un enfant handicapé n'est plus reçue comme de l'ordre d'un destin, un destin naturel. Il sera un cataclysme, une injustice, quelque chose d'inattendu qui coupe le souffle. Pourquoi nous ? Se demandent les parents. Lorsqu'un enfant dit déficient apparaît, les parents peuvent ne voir que le contraste avec le bébé parfait des publicités ou avec le bébé cru parfait des voisins d'à côté. L'arrivée d'un enfant, le plus souvent, est un événement qui chamboule toute l'existence précédente des couples d'aujourd'hui. Quand il s'agit d'un enfant handicapé, la magnitude du séisme peut atteindre des maximums. Elle est une épreuve pour chaque parent. Chacun découvre alors une expérience indicible, celle de la honte, de la souffrance, de la culpabilité. Jean-Louis Fournier, dans son ouvrage « Où on va, papa ?», je lis au passage, c'est un livre que j'aime pas beaucoup, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc dans son livre « Où on va, papa ?», nous dit « Si un enfant qui naît, c'est un miracle, un enfant handicapé, c'est un miracle à l'envers. » La révélation d'un handicap chez leur enfant produit dans le couple un effroi. Ils se sentent marqués d'un sceau qui les isole à tout jamais de tous les parents normaux. D'un seul coup, ils se sentent étrangers aux autres. Cette expérience leur apparaît intransmissible. Et Simone Corfsos, psychologue qui a beaucoup travaillé sur le handicap mental, va jusqu'à évoquer à ce propos l'incapacité de parler de ceux qui avaient vécu Auschwitz. Le romancier japonais Kenzaburo Hoe, prix Nobel de littérature en 1994, a nourri son œuvre de l'expérience d'avoir eu un enfant handicapé. Dans un roman un peu autobiographique qui s'appelle « Une affaire personnelle », le personnage, surnommé Bird, c'est le père,
n'est pas en accord avec lui-même. Il a 27 ans et n'est que répétiteur dans ce qu'on appelle chez nous une boîte à bac. Sa femme va accoucher, l'accouchement se complique, l'enfant est diagnostiqué avec une hernie cérébrale. On peut l'opérer, mais il ne sera sans doute jamais normal. Et là, Kenzaburoe décrit avec acuité dans son roman ce sentiment de l'intransmissible chez le personnage principal. Byrd nous dit ainsi, « Il lui suffisait de penser à celle du bébé, qui semblait avoir deux têtes, pour qu'un sentiment brûlant de honte lui serra la gorge. Comment aurait-il pu discuter avec d'autres gens d'une chose aussi personnelle ? Il lui sembla que c'était là un souci qu'il ne pourrait jamais partager avec autrui. » Plus loin, il dit même, « Ce qui m'arrive me donne l'impression que je m'enfonce seul dans un tunnel sans fond, en m'éloignant de plus en plus du monde des autres. Comment faire partager à qui que ce soit ce que j'éprouve ? Cela l'enferme et polarise tout investissement intellectuel. Lui, qui jusque-là s'était beaucoup intéressé à la politique, à l'actualité, il n'y voit plus de sens. Les mots scandale et incident international le laissaient totalement froid. Lui-même était déjà plongé jusqu'au cou dans le scandale de son bébé monstrueux et l'incident domestique provoqué par cette naissance lui paraissait beaucoup plus grave que n'importe quel incident international. Prend une parfaite conscience, je ne suis plus aussi préoccupé par la situation internationale. C'est comme si mon système nerveux n'était plus perméable qu'à ce qui concerne le bébé. C'est d'ailleurs un des dangers qui guette les parents. S'enfoncer dans l'isolement, d'où l'importance des rencontres, et le secteur associatif du handicap est très précieux à cet égard, l'importance de trouver des lieux qui leur permettent d'entendre d'autres parents qui ont eu des expériences similaires, ils ne sont pas seuls, la vie est possible avec un enfant handicapé. L'arrivée d'un enfant handicapé est une épreuve pour le couple. La vie d'un couple dit normal est déjà loin d'être toujours facile. Certaines difficultés conjugales antérieures à la naissance de l'enfant peuvent d'un seul coup s'exacerber devant la terrible annonce. Le diagnostic de handicap joue alors le rôle de détonateur pour les couples fragiles. Un nombre important de conjoints, souvent des pères, peuvent divorcer, abandonner l'enfant à ce moment-là. C'est d'ailleurs un élément qui m'avait étonné il y a une dizaine d'années. J'avais été invité par l'entreprise Leroy Merlin, qui organisait un concours qui s'appelait le concours des papas bricoleurs. Et que c'était un concours pour des parents d'enfants handicapés qui avaient fait une invention, quelque chose d'un peu original. C'est un petit peu le, comment s'appelle ce concours, l'épine. C'est un peu le concours l'épine des inventions liées aux enfants qui ont un handicap et donc les parents qui fabriquaient des lits spéciaux, des vélos spéciaux, des jeux spéciaux. Et j'avais été un peu étonné, je m'étais demandé mais pourquoi des papas bricoleurs, il n'y a pas de maman dans l'affaire. Et à ce qu'on m'avait expliqué, c'était que voilà, il y a tellement de pères qui quittent le foyer lorsque l'enfant est handicapé que c'était pour les valoriser, pour dire bon, ben, ceux qui sont encore là, ceux qui s'occupent de leur enfant, on va les valoriser. C'est pour ça que le titre avait été donné ainsi, le concours des papas bricoleurs. Donc, je disais, le diagnostic de handicap peut jouer un rôle de détonateur pour les couples fragiles. Mais il arrive aussi qu'un couple découvre en une telle expérience un ciment nouveau pour son union. Simone Corsos, que j'ai déjà cité, insiste sur la patience à laisser pouvoir s'installer une relation physique et d'esprit entre les parents et leur enfant. Accepter de laisser venir les questions, c'est reconnaître l'importance fondamentale du temps qui est nécessaire à la métabolisation psychique de cet événement traumatisant. L'enfant lui-même, avec son affectivité et sa personnalité, va modifier les attitudes parentales. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre de décision engageant l'avenir dans l'urgence, car il faut laisser s'instaurer une relation entre l'enfant et les parents. Alors dans le roman japonais, Une affaire personnelle, le premier regard sur son enfant va permettre au père, Byrd, toujours, de le faire entrer dans une histoire.
Le bébé est dans un panier et son crâne est entouré d'un bandage. Et voilà ce que dit le personnage. « Mon fils a la tête entourée de pansements, comme Apollinaire lorsqu'il a été blessé sur champ de bataille. » Bird se mit à pleurer. La tête pansée, comme Apollinaire. Cette image avait simplifié ses sentiments, leur avait donné un sens. Il se sentait devenir bêtement sentimental, mais en même temps, il avait l'impression d'être justifié. Et il découvrait même une certaine douceur à ses larmes. C'est d'ailleurs la première fois où le personnage peut dire « mon fils ». Jusque-là, il vivait sous le terme de « chose » qu'avait employé le directeur de la clinique. Le directeur de la clinique avait dit, la première remarque, il avait dit « voulez-vous voir la chose d'abord ?» Terme qui avait suscité chez Bird une véritable répulsion. Un autre épisode marquant d'appropriation, c'est le moment où il voit son fils, toujours à travers la cloison vitrée de l'hôpital, essayer de toucher l'excroissance de sa tête. Quand il quitte l'hôpital, il nous est dit dans le roman que, tandis qu'il s'éloignait, il se rend compte qu'il avait, pour se frotter la nuque, le même geste que l'enfant. Puis un peu plus loin dans le roman, il y a un ami qui lui fait remarquer « Mais dis donc, Bird, d'où t'es venue cette habitude de te frotter la nuque ?» C'est en personnalisant son enfant par les petits détails évoqués que le père, dans ce roman, passe progressivement de celui qui veut se débarrasser d'un monstre à celui qui veut protéger son bébé, qui passe d'une situation de violence à son apprivoisement patient. Et cet apprivoisement touchera les parents, mais évidemment aussi en retour la sage-femme, les équipes médicales autour du bébé. Notre société doit mettre l'accent sur l'idée de partage social, et cela dès le tout début de la vie. Il semble malheureusement que cela ne soit pas ce que la société cherche à entendre. Beaucoup d'énergie, on le sait, et de plages médiatiques sont consacrées à la question de l'euthanasie et du diagnostic prénatal. Bien peu, en revanche, à montrer à d'éventuels parents d'enfants handicapés qu'ils ne sont pas seuls et que la collectivité veut résoudre les difficultés qui se présenteront à eux. Par exemple, par rapport à l'insuffisance de foyers, à la maternité, plutôt que de vouloir poser la situation en termes d'action et de choix, ce qui est le discours courant au sein du paradigme médical, il serait peut-être beaucoup plus important de dire aux nouveaux parents « vous n'êtes pas seul ». Le sentiment de solitude est dans ce genre de situation terrible. Simone Corfsos nous dit, elle nous parle, enfin c'est un témoignage d'une de ses patientes, qui dit « Les premiers mois avec ma petite fille trisomique étaient un face-à-face insoutenable, dit une mère. Ce qui l'a aidé à vaincre peu à peu sa réaction, nous dit Simone Corfsos, c'est l'entrée à la crèche. Le regard des autres sur son enfant l'a rassuré et l'a amené à voir à son tour sa fille d'une autre manière. Il est psychologiquement usuel que des parents aient une envie de meurtre face à leur enfant handicapé. Il faut savoir l'entendre, mais il n'est par exemple pas du rôle du médecin d'abonder dans ce sens. De la même façon qu'on peut parfois vouloir lâcher des critiques, même violentes, contre ses parents, on n'accepte pas pour autant que les autres le fassent à notre place. Eh bien, Bird est estomaqué dans le roman par la naissance de son bébé anormal et n'a qu'une envie qui est de s'en débarrasser. Mais lorsque le directeur, on précise que le directeur a une forte pilosité, lorsque le directeur de la clinique lui suggère d'emblée de ne pas faire opérer l'enfant, ce qui signifie la mort, Bird a un moment de recul. Pauvre petit bébé, pense à Bird. Il a fallu que la première personne qu'il rencontre dans ce monde soit ce porc velu. Notre société nous habitue aux problèmes qui impliquent des solutions. Le handicap ne nous place pas dans cette configuration. Mais en même temps, il est un modèle irremplaçable pour nous faire comprendre à quel point nous pouvons nous fourvoyer dans l'idéologie de la maîtrise. En réalité, notre vie nous propose une succession de situations que nous n'avons pas souvent choisies. Mon enfant était-il tant prévu que cela? J'aurais voulu un garçon. Pourquoi des jumeaux? Il ne s'intéresse pas du tout au foot. Elle est paresseuse. Je ne voulais pas d'un enfant comme ça. Toute naissance impose en réalité aux parents une ouverture sur l'imprévu. L'enfant qui naît ne correspond jamais à l'enfant que nous avions imaginé.
Les parents qui sont intoxiqués par l'atmosphère de maîtrise de notre époque ou par une déficience à accepter l'autre, risquent bien de vivre leur parentalité dans la frustration et de faire vivre leurs enfants dans la souffrance. Un enfant est toujours une aventure. Un enfant handicapé sera bien sûr une aventure au carré. Simone Corfsos insiste encore sur le fait que les progrès médicaux contribuent paradoxalement à accentuer la culpabilité des parents. L'idée superstitieuse ancestrale de la faute est maintenue, mais elle a pris un masque médical. Quel effet vont avoir les progrès de la prévention des handicaps et leur large médiatisation sur les familles qui ont mis au monde un enfant handicapé malgré ces progrès? Ne vont-elles pas entraîner de nouvelles formes de souffrance? Lorsqu'il y a accident, anomalie, maladie, cela devient encore plus insupportable pour des parents vivant dans une ambiance culturelle qui insiste à penser que cela ne devrait pas arriver. Lorsque cela arrive quand même, ils se sentent mis en cause. L'enfant est vécu comme une erreur de la médecine, un raté de la prévention. Paradoxalement donc, ces progrès accentuent leur responsabilité et leur sentiment de culpabilité. Ces techniques font croire à une maîtrise totale des processus de procréation, de la grossesse et de la naissance, de sorte qu'il n'y aurait plus d'enfants handicapés, une maîtrise parfaite pour un enfant parfait. Les progrès de la médecine occultent de plus en plus la part de mystère qui entre dans ce que les parents transmettent génétiquement à un enfant. La science aimerait réduire cet inconnu et les progrès scientifiques font miroiter une illusoire transparence devant ce qui ne manque pas d'être inquiétant. La naissance d'un enfant handicapé ramène brutalement à cette réalité angoissante que les modernes tardifs ne veulent pas assumer, l'imprévisibilité de la vie. Deuxième partie, deuil de l'enfant imaginaire, deuil de filiation, deuil d'une vie d'enfant normale. L'enfant lui-même va devoir accepter jour après jour de ne pas pouvoir réaliser ce que réalisent les autres enfants de son âge. Les enfants en situation de handicap, même mental ou psychique, réalisent très tôt leur dite anormalité. Ils repèrent très tôt le décalage entre ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils peuvent réaliser. Ils se comparent aux autres enfants. C'est donc aussi un travail de deuil qu'ils sont confrontés, deuil de leur dite normalité, de leur autonomie, deuil de leur capacité à faire la même chose que les autres. Pour les parents, avec l'enfant handicapé, c'est pour certains l'idée d'une fin de toute filiation qui est entrevue. Je ne pourrai pas rêver à son expansion dans la vie. Il ne sera pas professeur, elle ne sera pas danseuse. Je n'aurai pas de petits-enfants. C'est une litanie de catastrophes qui apparaissent. Dès lors, apparaissent également, nous le disent les psychologues, et on l'a dit déjà, un désir de mort. Mais la complexité de l'âme humaine est telle que l'on peut vouloir tuer son enfant et en même temps l'aimer. Cette ambivalence est typique. Pour lutter contre notre désir de meurtre, on le refoule et on adopte une attitude inverse de protection excessive à l'égard de notre enfant. Henri Jacques Sticker résume la situation. Les parents d'enfants handicapés, quand ils sont traumatisés, sidérés, culpabilisés, porteurs d'un désir de meurtre qui s'inverse en surprotection, c'est ça l'élément important, le désir de meurtre s'inverse en surprotection, remettant en cause leur propre histoire avec la génération précédente ou avec le conjoint, se battent avec un deuil quasi impossible. Ils se battent avec un deuil quasi impossible, nous dit Sticker, parce que pour qu'il y ait deuil, il faut commencer par ce que Freud appelle dans Deuil et Mélancolie l'épreuve de réalité, le fait de voir la dépouille d'un défunt. Ici, les parents ont sans cesse sous les yeux la manifestation de ce qu'ils peuvent vivre comme un échec narcissique. Simone Corfsos le redit, l'enfant rappelle par sa présence, jour après jour, l'actualité de la perte. C'est pire que la mort dans le cas de perte d'un être cher, le temps finit par adoucir le chagrin, alors que là, c'est toujours présent. Dans un système médical où s'accentue la programmation des bébés, il y a eu échec. Dans un système social compétitif, où il faut être conforme aux attentes, atteindre un idéal de santé, d'intelligence, de sociabilité, de précocité, d'autonomie et de réussite véhiculée massivement par les médias, on peut craindre le pire pour notre enfant. L'enfant handicapé est plus difficile à aimer. Il représente ce miroir brisé qui nous défigure. D'où, nous l'avons dit, la tentation de la fuite pour certains conjoints.
ce qui ne fuit pas, ou malgré tout, de la difficulté à assumer leur descendance. Marcel Nuss, atteint d'une amyotrophie spinale infantile, rappelle que son père lui disait régulièrement « toi, t'es que le fils du facteur ». L'orgueil paternel trouvait un exutoire dans cette blague répétitive qui signifiait « je n'aurais pas pu vouloir un fils comme toi ». Pour que les parents arrivent à vivre malgré tout et que leur enfant progresse davantage grâce aux mains de spécialistes et rencontre des camarades, la mise en pension dans des établissements spécialisés a été longtemps, et l'est encore parfois, une possibilité. Mais l'enfant handicapé, pas moins qu'un autre, a besoin de la chaleur d'un foyer familial. C'est Alexandre Jolien qui, dans « Éloge de la faiblesse », interpelle ainsi son interlocuteur. « Tu ne t'imagines pas les dégâts qu'occasionne l'absence des parents. De plus, le sentiment que les éducateurs nous soignent plutôt qu'ils ne nous aiment n'arrange rien. Ce vide ressenti dès ma prime jeunesse me fait encore souffrir aujourd'hui. » Les éducateurs peuvent malheureusement parfois réduire leur tâche à son caractère strictement technique et ne peuvent de toute façon pas remplacer des parents. Dans un ouvrage postérieur, Alexandre Jolien, un ouvrage qui s'intitule « Le métier d'homme », Alexandre Jolien fait part d'une observation relative à un enfant handicapé des plus démunis. Un pensionnaire chronique d'une institution s'exprimait à l'aide de pictogrammes. Privé d'usage de la parole, il pointait avec son orteil de petits signaux qui constituaient son langage. Parmi les centaines de cases à disposition, on pouvait lire « médecin, logopédiste, physiothérapeute, ergothérapeute, yaourt, sieste ». Un observateur sensible aurait tout de suite constaté une cruelle absence. Papa, maman n'apparaissaient pas sur le tableau qui devait fournir les outils destinés à exprimer le monde. Derrière ce petit exemple se cache un drame répandu, affronter un monde privé d'affection. L'affectif est un élément fondamental pour que l'enfant ait envie de connaître, de progresser, de s'ouvrir au monde. On est de même pour l'adolescent. Alexandre Jolien, on l'a dit, affirme moteur cérébral, vous l'avez peut-être vu à la télévision, puisque c'est quelqu'un qui a réussi à passer le mur des médias. Alexandre Jolien décode les erreurs commises en institution. Il suffisait qu'une stagiaire de mon âge se liât d'amitié avec moi, et les éducateurs lui conseillaient presque aussitôt d'y mettre un frein. La retenue rendait ainsi nos relations très superficielles, très cliniques. Finalement, cette distance constituait un obstacle radical à l'éducation. La pratique de la distance professionnelle était soutenue par une théorisation, et d'ailleurs Jolien intitule le chapitre où il en parle « Il dissertait, analysait ». On parlait de ces gens qui théorisent, et il nous dit bien que dans leurs colloques, beaucoup d'éducateurs insistent excessivement sur la nécessité de mettre de la distance entre le patient et l'éducateur. Cette recommandation anodine suscite beaucoup de souffrances gratuites. Alors, bien sûr, les choses changent. Jolien nous parle d'une enfance dans les années 80-90, et bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de psychologues qui ont compris, beaucoup d'éducateurs qui ont compris que l'aspect affectif était évidemment indispensable. Les spécialistes en psychocognition nous le disent, les apprentissages passent avant tout par une vie affective. L'apprentissage ne peut se faire dans et par un contexte purement théorique. Il nécessite un contexte affectif. Alexandre Jolien encore, qui évoquait la souffrance de la séparation lorsqu'il devait retrouver pour une semaine sa pension spécialisée, sait reconnaître néanmoins sa chance d'avoir bénéficié de l'amour de ses parents. Et cet amour s'est manifesté par la confiance. Souvent, des enfants de même handicap progressent différemment selon le cadre familial. La conscience a été vitale dans mon parcours. Yves Lacroix, autre personne infirme moteur cérébral, rappelle l'importance qu'a eue aussi sa famille. Mon entourage familial paradisiaque ne se confinait pas dans des questions égocentriques pour surmonter cet immense isolement. Il agissait sans cesse. Cela m'a apporté une rage de mordre dans la mélasse de la vie. Ma famille m'emmenait partout, osait me montrer comme son enfant, un enfant ayant les mêmes appétences d'amusement, de bagarre et de découverte qu'un autre.
ouvrir l'enfant à l'éducation, à la vie, à la société. Une première difficulté, c'est dire la différence qualitative et l'assumer. La différence doit être dite et non pas occultée dans un discours égalitariste naïf ou hypocrite. Cela est important dès l'enfance. Simone Corso, que je cite à nouveau, son livre Le miroir brisé est pour moi un des plus beaux livres sur le handicap, il y en a d'autres, hein, mais celui-là en particulier. Donc Simone Corso nous le révèle à propos des parents d'une enfant trisomique qui n'arrive pas à dire cette différence. Les parents trop traumatisés encore par la révélation du handicap me disent qu'ils ne parviennent pas à parler à Nathalie de sa trisomie. Le mot les choque, il leur fait mal, ils craignent qu'il ne fasse souffrir Nathalie à son tour. Après en avoir parlé avec ses parents, j'aborde avec Nathalie la question de sa trisomie en la nommant. Spectaculairement alors, dans les semaines qui suivent, les mots se prononcent. La séance d'après, elle réalise des dessins avec deux couleurs. À partir du moment où les adultes autour d'elle ont nommé le handicap, mis des mots sur ce qui la distingue des autres, Nathalie pourra associer les paroles et les couleurs, les identifier, les différencier et les articuler. Un champ de signification communicative s'ouvre, où peuvent se déployer les mots, les dessins et les pensées. La différence doit donc bien être reconnue comme telle. Au sein de l'école, le discours aveugle de l'égalisation peut avoir ses conséquences néfastes. C'est mettre l'enfant grandement en difficulté. Selon ce principe, bien des enfants ont été obligés de suivre une scolarité normale où ils se sont trouvés en situation d'échec, parce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage précises et repérables dont on n'a pas voulu tenir compte. Einstein disait à sa manière, « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Le discours égalitariste est naïf ou hypocrite. Il faut égaliser, mais aussi tenir compte de différences spécifiques. En même temps, cette différence doit être reconnue dans un apaisement. Rendre possible la participation à la vie collective. La mobilité mentale commence avec la mobilité physique. La sollicitation physique développe en effet l'esprit. Contrairement à un schéma appauvrissant qui voudrait qu'on ne donne les moyens de s'exprimer qu'à ceux qui savent déjà s'exprimer, qu'on ne donne un accès à la vie sociale qu'à ceux qui ont déjà les moyens physiques et psychiques d'y accéder, il est essentiel face au handicap de présupposer des possibilités. L'enfant qui en crèche semblait peu intéressé par la vie du groupe, faute de moyens de compréhension intellectuelle, croyait-on, se révèle une fois installé par un kinésithérapeute dans un appareillage adapté, très désireux de participer au jeu de ses camarades. Il peut s'agir ici d'un handicap mental, mais il y a un va-et-vient entre le corps et l'esprit. Donner des possibilités de mobilité nouvelles au corps peut signifier donner des possibilités nouvelles de mobilité à l'esprit. Et l'esprit va alors relier le corps pour lui donner l'envie d'aller plus loin. Comme le dit à nouveau Simone Corso, à l'âge où le petit de l'homme se met debout, celui qui ne le peut pas, du fait d'une atteinte motrice ou d'une déficience mentale, subit un grave préjudice dans son identité. Notre identité psychique dépend donc de notre identité physique. En regardant ce que peuvent physiquement les autres et ce que l'on ne peut pas, en regardant ce que peuvent mentalement les autres et ce que l'on ne peut pas, on peut perdre en confiance et entrer dans une spirale descendante qui atrophie des possibilités qui, avec d'autres regards, auraient pu éclore. Accueillir bien, c'est aussi se savoir faillible. C'est vouloir apprendre ce qu'on ne sait pas. On se rappelle du titre d'un ouvrage de Bettelheim, psychologue américain, titre de son ouvrage qui était « Pour être des parents acceptables », avec toute la modestie apparente du projet. La maltraitance, souvent, ne commence pas avec la méchanceté, mais plutôt avec la rigidité mentale, avec le sentiment de toute puissance. Nous retrouvons ici Platon, qui récusait que le méchant soit celui qui cherche le mal. Nous cherchons tous le bien, un bien, mais parfois nous le cherchons mal. Et c'est parfois en toute bienveillance que les parents et même les travailleurs sociaux font du mal à un enfant.
peut citer ici un personnage du roman Aquarium de David Van. Le personnage féminin Chéri nous décrit le calvaire qu'elle subit à cause du pouvoir sadique de ses parents. Tout est possible avec un parent. Les parents sont des dieux, ils nous font et nous détruisent. Ils déforment le monde, le recréent à leur manière. Et c'est à ce monde-là qu'on connaît ensuite, et c'est ce monde-là qu'on connaît ensuite pour toujours. L'enfant peut par exemple absorber la dépression maternelle comme un nuage toxique. Ça casse l'ambiance, un philosophe. Hein, je vais essayer de remonter là. L'enfant n'est pas un petit homme car il n'est pas encore un homme. C'est un être qui est encore en devenir. Aristote dirait un homme en puissance. Il doit passer à l'acte et c'est ce qu'on appelle l'humanisation. Comme le dit encore Erasme, que Simone de Beauvoir a pompé sans le dire, l'homme ne naît pas homme, il le devient. C'est une phrase d'Erasme. Simone de Beauvoir avait d'autres objectifs. L'homme ne naît pas homme, il le devient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humanité de l'homme est un acquis toujours à réactiver par l'éducation. Ce n'est pas un élément génétique. Nous ne poussons pas homme comme il pousse des cornes à un taureau. Dire que l'enfant doit être reconnu dans sa spécificité, cela signifie que le rapport à l'enfant implique une dissymétrie. L'enfant n'est pas un égal, il est plus vulnérable que l'adulte et doit donc être davantage protégé. Aimer l'enfant, c'est aussi appeler à développer sa volonté. Dans un contexte qui n'est pas celui du handicap, mais qui est celui de l'éducation des enfants, le philosophe Alain, dans ses propos sur l'éducation, qui étaient publiés en 1932, avait déjà conscience de l'ambivalence de la méthode d'enseignement à appliquer aux enfants. Il a d'abord été séduit par le ludique d'un « oui » à tout ce qui fait plaisir à l'enfant, dire « oui » à l'enfant. Montaigne étant une référence dans ce domaine. Je cite Alain, « Ainsi me disais-je, l'attention de l'enfant est bien facile à prendre, faites-lui un pont depuis ses jeux jusqu'à vos sciences, l'étude sera un repos et une joie. » Je suivais donc cette idée charmante en compagnie de Montaigne. Les enfants et adolescents apprendraient mieux en s'amusant, un lieu commun. Apprendre grâce au et avec le plaisir. Mais comme le dit Alain, l'ombre de Hegel parla plus fort. Pourquoi l'ombre de Hegel? Parce que Hegel est un autre philosophe qui lui a compris que ce n'est pas le plaisir immédiat qui doit être recherché dans l'éducation. Il y a dans ce bois courbe qu'est l'homme une pente naturelle au moindre effort, à l'obtention par passe-droit immédiat ce qu'il pourrait désirer. Il n'y aura donc pas de vraie pédagogie sans un aspect de contrainte qui n'est pas sadisme, mais aide à la structuration de l'enfant ou de l'adolescent. Le plaisir ne peut être l'objectif premier, il viendra par surcroît, devant l'étonnement de la compréhension et de la connaissance. Je cite Alain, « Tout le plaisir de la plante et de l'animal, c'est tout le plaisir de l'être qui ne surmonte rien, qui ne se hausse pas au-dessus de lui-même. Mais bercer n'est pas instruire. Les vrais problèmes sont d'abord amers à goûter. Le plaisir viendra à ceux qui auront vaincu l'amertume. Je ne promettrai donc pas le plaisir, mais je donnerai comme fin la difficulté vaincue. Tel est l'appât qui convient à l'homme. La grande affaire est de donner à l'enfant une haute idée de sa puissance et de la soutenir par des victoires. Mais il n'est pas moins important que ces victoires soient pénibles et remportées sans aucun secours étranger. Le défaut de ce qui est intéressant par soi, c'est qu'on n'a pas de peine à s'y intéresser, c'est qu'on n'apprend pas à s'y intéresser par volonté. Une anecdote de Molly Strom, chef de chœur du quartier de Hyde Park, est particulièrement piquante. Elle fait référence à ce chœur d'enfants de Chicago, inauguré en 1956, et comprenant aujourd'hui 300 enfants, dont près de 80% vivent sous le seuil de pauvreté. Un jour, en entrant dans la salle de répétition du chœur, elle entend un groupe d'enfants afro-américains, c'est les Américains qui distinguent les enfants afro-américains, c'est pas comme les autres, voilà. Un groupe d'enfants afro-américains, en France on dirait pas ça, mais... Elle entend un groupe d'enfants afro-américains chanter un passage complexe d'un motet de Bach qu'ils avaient répété.
Alors elle leur dit, oh, ben dis donc, vous faites un peu de répétition, si vous faites des extras aujourd'hui. Et les enfants lui répondent, bah non, on se détend, on joue. Donc on pourrait croire tirer de cet exemple un argument en faveur de l'éducation ludique, apprendre en s'amusant, en disant oui à tout. Mais ce n'est pas ce que nous y voyons. Pour chanter juste dans un chœur, il faut du travail, un sens de la responsabilité. Ce travail n'est pas tout de suite plaisir. Il est d'abord effort. Ce n'est qu'ensuite, quand les étapes de l'amertume du fruit sont passées, que le domaine découvre le plaisir immense qu'il recèle à sa pratique. Hannah Arendt, dans les années 50, va retrouver la problématique d'Alain. Alain parlait dans l'entre-deux-guerres. Elle arrive du monde de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, où la pédagogie est à l'autorité, à la transmission d'un savoir, et elle découvre l'éducation américaine qui préfigure celle des sociétés de masse occidentales, où la confusion entre démocratie et savoir est un risque permanent. Je cite Hannah Arendt, « L'habitude acquise peu à peu de travailler au lieu de jouer est supprimée au profit de l'autonomie du monde de l'enfance. » Sous prétexte de respecter l'indépendance de l'enfant, on l'exclut du monde, des adultes, pour le maintenir artificiellement dans le sien, dans la mesure où celui-ci peut être appelé à un monde. L'enseignement ludique a la primauté dans un monde où il faut être plébiscité par les élèves. Il y a donc une démagogie possible devant les enfants et les adolescents. Quand l'adulte n'assume pas son rôle éducatif, il se contente lâchement de livrer les enfants à eux-mêmes. Hannah Arendt, affranchi de l'autorité des adultes, l'enfant n'a donc pas été libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique, la tyrannie de la majorité. Les enfants ont tendance à réagir à cette contrainte, soit par le conformisme, soit par la délinquance juvénile. L'adulte doit donc oser affirmer devant un groupe d'enfants la force d'une règle commune. Et tous les adultes n'ont pas la même place. La mère ou le père ne sont pas l'éducateur. Alain aussi avait repéré cette dialectique difficile entre le familial et l'éducatif extérieur, autorité contre ludique. Mais il allait jusqu'à prôner un discours qui était un discours de rupture avec la famille. Il préconisait donc cette rupture avec l'attitude affective. Alain disait « L'école fait contraste avec la famille et ce contraste même réveille l'enfant de ce sommeil biologique et de cet instinct familial qui se referme sur lui-même. Il s'agit de contrer une idéologie d'ethnie en ouvrant par l'école à l'esprit d'universalité. » Alain toujours « La famille instruit mal et même élève mal. Quand la famille vit sur elle-même comme une plante, sans le bonheur des amis, des coopérateurs et des indifférents, il y naît un fanatisme qui n'a point d'égal. C'est une fureur d'admirer et ensemble de blâmer. On ne permet point la dissidence parce que l'on espère trop l'accord. » Alors ce propos peut certes choquer aujourd'hui et peut sembler inapproprié quand le drame de nombre d'enfants accueillis en PMI par exemple, c'est que le familial n'existe pas. Vous aviez des enfants réfugiés, des enfants qui n'ont plus ni père ni mère, ou alors un familial qui est fort fragile, divorce, famille monoparentale. Le jardin d'enfants ou l'école ne sont alors plus des lieux de contraste dynamique avec la famille, mais plutôt le refuge, la pause, l'endroit où on a le seul repas équilibré et à heure fixe de la journée. Pour qu'une dialectique fonctionne, c'est comme pour tango, il faut être deux. Et en l'absence de famille structurée, l'enfant ne va pas bénéficier d'une double référence forte pour se construire. C'est dans cela que le rôle du travailleur social, c'est souvent paradoxalement s'opposer aux injonctions d'Alain, c'est plutôt renforcer la famille, valoriser le père ou la mère qui cherche à faire mieux, qui cherche à progresser par rapport à des comportements dysfonctionnels. Ce sont souvent les parents qui ont besoin de soutien. Ils sont épuisés ou dans un rôle de victime par rapport à leurs propres enfants, faute d'avoir compris certaines relations élémentaires à tenir entre parents et enfants. Écouter les parents, les soutenir avec l'aide d'assistantes sociales, de thérapeutes, de psychologues, qui vont permettre à l'adulte de remettre en perspective sa propre enfance, auront la plupart du temps comme effet de soulager l'enfant.
À cela s'ajoute que les enfants trouvent enfin des tiers parmi les adultes qui travaillent à la crèche, à l'école, qui représentent l'étayage permettant de retrouver un cours normal dans leur développement. La résilience deviendra possible. Les parents qui viennent en PMI veulent tous le bien de leur enfant, même quand ils acceptent ou demandent son placement parce qu'ils s'estiment défaillants. L'école doit valoriser le fait que la faiblesse n'est pas honteuse, qu'avoir besoin des autres n'est pas une preuve d'infériorité, mais l'occasion de coopération fructueuse. On peut repérer deux vices éducatifs inverses. Un premier qui serait de maintenir dans un monde illusoire. Maintenir dans un monde illusoire, ce serait justement le oui permanent à l'enfant, des parents qui masqueraient les difficultés, qui se les masqueraient à eux-mêmes, qui les masqueraient à leur enfant, avec un « tu es comme les autres », cela va créer une situation où l'enfant est dans une bulle, mais il peut y avoir aussi le vice éducatif inverse qui consisterait à briser l'imaginaire. Là, il peut y avoir un non bienveillant et pourtant nocif. Un non bienveillant et pourtant nocif. Fermer l'imaginaire de l'enfant devant un réel peu clément, les parents, les éducateurs, les enseignants vont indiquer à l'enfant qu'il n'est pas comme les autres, qu'il ne pourra donc pas faire ce que les autres font dans la vie, que la société est dure, qu'elle ne va pas le recevoir avec bienveillance. Dès lors, il vaut mieux se refermer sur la maison, sur des activités limitantes, freiner l'enfant par peur du temps à venir. Par rapport à une parentalité future de l'enfant handicapé, cela sera aussi le cas. Ici, j'évoque une situation qui est plutôt... qui se passe à un âge plus avancé. Mais encore une fois, l'enfant se projette dans les adolescents, dans les adultes, et le discours qui pourra lui être tenu en tant qu'enfant aura un impact sur lui. C'est ainsi qu'est reçu, ou plutôt n'est pas reçu, le désir d'enfant chez les jeunes filles ou femmes handicapées. Les idées de bébé mettent mal à l'aise celui ou celle qui écoute et qui sait qu'elles ne pourront probablement jamais réaliser ce désir. Mais on oublie que tout un chacun imagine quantité de choses qu'il n'obtiendra pas ou ne réalisera jamais. On oublie qu'il est primordial pour la vie psychique de n'être pas limité dans ses capacités imaginatives et qu'il faut favoriser au contraire ce qu'on pourrait appeler l'imagination de l'impossible. De même pour les handicapés qui vivent en couple et qui envisagent d'avoir un enfant, il est essentiel que cela puisse être imaginé, pensé, verbalisé. Il faut pouvoir envisager l'inenvisageable. L'envisager ne serait-ce que pour qu'il soit possible d'y renoncer. Renoncer au projet d'enfant après l'avoir envisagé et sans qu'il ait été interdit de l'envisager est un facteur de maturation. Tu ne seras pas père, mais tu pourras être oncle, dit une mère à son fils trisomique qui demande s'il sera papa. J'ai vu souvent apparaître cette importance de la fratrie chez des personnes handicapées qui expriment alors un attachement affectif intense aux neveux et nièces et un investissement de leur statut d'oncle ou de tante. L'adolescente handicapée ne peut se laisser aller au rêve de ne plus être handicapée, d'avoir des enfants, de trouver un mari, sans que ses proches, les professionnels, ne se fassent un devoir, au mieux de lui dire, au pire, de vouloir lui prouver, que tout cela est et restera à jamais impossible. Ainsi souvent, l'enfant se voit-il privé d'une part de rêve qui fait le lit de beaucoup de destins d'adolescents et d'adultes. Il faut pouvoir rêver avec l'enfant pour que le plaisir pris à cette projection puisse ouvrir la voie à une pensée d'un devenir dans lequel progressivement la réalité pourra être intégrée. Il faut bien sûr trouver un juste milieu. Juste milieu, il faut comprendre ici la distinction entre une éducation qui se présenterait comme des interdits venant de haut, ce que en philosophie on appellerait de l'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est-à-dire le fait que est imposée à l'individu une décision venue de l'extérieur. L'hétéronomie joue finalement dans la cour du
dressage. Dans le cadre du dressage, l'intérêt qui est suivi, c'est celui du dresseur. Dans le cadre de l'éducation, même si les enfants et les adolescents parfois se plaisent à dire que leur professeur est un tyran, et comme un dresseur, c'est-à-dire qu'il les force à travailler contre des bonnes notes, il faut leur apprendre à comprendre cette différence entre dressage et éducation. Dans le cadre de l'éducation, on cherche l'intérêt de celui qui est éduqué. Et donc dire non à l'enfant, le non bienveillant, serait un non qui cherche l'intérêt de l'enfant. Mais toute la difficulté est d'arriver à présenter ce non comme n'étant pas un non tyrannique. Il n'est pas fait parce que l'adulte aurait un caprice et refuserait ainsi quelque chose à l'enfant, mais parce que le réel lui-même rendrait impossible telle ou telle chose. Alors c'est ce que Rousseau avait compris lorsque dans L'Émile, L'Émile, donc c'est un ouvrage où Rousseau fait l'éducateur fictionnel d'un enfant qui s'appelle Émile. Il imagine l'éducation de cet enfant de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et à un moment, il explique que pour que Émile n'ait pas l'impression que les adultes sont des tyrans, parce que ça serait éduquer un enfant de manière à ce qu'ensuite, quand il sera un adulte, il s'habituera à la tyrannie, il ne s'habitue pas à la tyrannie. Il faut par exemple, alors il donne un exemple qui peut sembler assez extrême, Émile, par caprice, casse la vitre de sa chambre. Eh bien, Rousseau dit, il ne faut pas le gronder, en tout cas à l'âge qu'il a, parce qu'il est trop jeune, il ne va pas comprendre ce qui se passe, il ne faut pas le punir, il ne faut pas le battre, simplement il faut lui dire, bon, bah, tu vas dormir dans ta chambre cette nuit, comme il fait un peu froid. Alors Rousseau dit, il vaut mieux qu'il attrape un rhume plutôt qu'il devienne fou. Alors évidemment, l'exemple est extrême, parce que si l'enfant attrape une pneumonie, on se dira, bon, éducativement, c'est un peu cher payé, et on a bien des situations où on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc Rousseau a pu être critiqué par des doctes par rapport à ça, mais il faut comprendre l'idée qu'il y a derrière. L'idée qu'il y a derrière, c'est montrer à l'enfant que ce n'est pas son père qui le punit, mais que c'est la nature elle-même qui le punit, c'est le réel qui le punit s'il agit de cette façon-là. Si on casse son propre jouet, on ne joue plus avec, et puis on est puni par son propre jouet. Donc c'est l'idée que l'enfant apprenne la réalité des choses sans qu'il croie en permanence que ce sont les hommes qui empêchent des choses pour lui. Donc travail pédagogique pour montrer ce nom qui parfois éduque. Et là on arrive à l'autonomie. J'ai parlé d'hétéronomie, qui est un concept qui avait été développé par Kant pour l'opposer à l'autonomie. L'hétéronomie, là, quand une décision s'impose à vous de l'extérieur, et dans l'autonomie, ça n'est pas uniquement vous qui imposez vos décisions, ça peut être ce cas, ça peut être la situation de l'adolescent qui justement veut vivre dans un appartement séparé de ses parents et qui dit « je veux mon autonomie ». Et là, on peut lui accorder il est capable de se donner des règles à lui-même. Donc l'autonomie, c'est la capacité aussi à se donner des règles à soi-même, mais également la capacité d'accepter des règles qui viennent de l'extérieur quand on les assume par notre raison. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas inventées. Par exemple, le code de la route, aucun d'entre nous ne l'a inventé. Et quand nous obéissons au code de la route, nous n'avons pas l'impression d'être tyrannisés. Nous n'avons pas l'impression d'être tyrannisés parce que nous comprenons que le code de la route, il est fait pour notre bien. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur les 80 km/h, ou des choses comme ça. Limitons-nous au feu rouge. Quand le feu est rouge, on s'arrête tous et on ne se dit pas « je suis tyrannisé, on m'empêche de rouler librement dans la ville ». Non, c'est pour mon bien et donc j'ai intérêt à le faire. Donc c'est ce qui permet de comprendre pourquoi les règles ne sont pas le contraire de la liberté. Ça, c'est une représentation infantile de penser que les règles nous briment. Les règles ne sont pas le contraire de la liberté, elles organisent la liberté, elles rendent possible la liberté.
Hein, si vous êtes en train de jouer aux cartes et puis que quelqu'un change la règle en cours de route parce que ça lui plaît, vous lui direz non. Il y a moyen d'être libre en jouant aux cartes, mais en respectant la règle du jeu de cartes. Voilà en quoi il y a un apprentissage à travers la difficulté. Hein, mais j'insiste bien sur cette juste mesure. Ne pas aller dans un excès qui consiste à briser l'imaginaire, parce que c'est aussi l'imaginaire qui permet à l'enfant handicapé de vivre et de vivre adulte ce qui semblait impensable au départ. Je voudrais donner ici l'exemple de Yves Lacroix, que j'ai cité une fois déjà, infirme moteur cérébral. Il m'avait demandé de réaliser la préface de son livre « Accompagner les personnes handicapées à domicile ». 2008, il est mort depuis, pas à cause de ma préface, hein. Il a pu développer son aptitude à la participation sociale par le biais de l'écriture. Il ne pouvait pas user de ses mains pour écrire, affublé d'un casque spécial équipé d'une tige métallique joliment appelée licorne, il a pu tapoter une à une sur l'ordinateur les lettres des mots qu'il voulait écrire, ayant développé des possibilités intellectuelles que l'on n'aurait pas soupçonnées si l'on en était resté aux apparences physiques, il a ressenti un besoin très net d'autonomie sociale. Vivant à domicile, il a pu bénéficier d'aides régionales pour financer des outils techniques de liberté. Personne quadraplégique IMC, incapable de se mouvoir seul, on aurait pu le ranger dans la catégorie des grabataires à vie, ce qui a été longtemps le cas, au 19e, 18e siècle. Et pourtant, il s'est battu, Yves Lacroix est devenu pleinement homme parce qu'il a voulu développer toutes les possibilités humaines qui étaient en lui. Il s'est marié, il a vécu pendant une trentaine d'années à domicile, a été l'auteur de plusieurs ouvrages marquants, allant de la poésie à l'autobiographie, en passant par la bande dessinée. Il s'est battu et en retour, il a pour sa part fait changer le regard de bien des personnes infirmes moteur cérébral. Je passe à ma quatrième partie. Penser le handicap autrement pour accueillir l'enfant autrement. Penser le handicap autrement, c'est déjà prendre conscience des obstacles qui sont les nôtres. Premier concept que j'ai développé dans mon livre « La philosophie face au handicap », le concept d'empathie égocentrée. Empathie égocentrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dits valides, nous avons souvent une bonne volonté en direction des personnes handicapées, donc on a une empathie, on veut se mettre à la place de la personne, mais on le fait en restant égocentré, c'est-à-dire en partant de notre position de valide. Et du coup, nous interprétons de travers bien souvent les situations. Nous voyons une personne à qui il manque les deux bras, par empathie, on se dit « Ouf, si on coupe les deux bras, c'est horrible ». La vie doit être horrible quand on a ainsi deux bras qui nous manquent. Et le passage se fait ainsi progressivement. La vie handicapée est nécessairement une vie malheureuse. La personne handicapée est toujours vue sous l'angle du manque. C'est le contraste entre la vie sociale vécue par le valide et ce qu'il voit de la personne handicapée qui lui fait envisager une existence handicapée exclusivement sous l'angle du manque. L'empathie égocentrée explique que l'on imagine avec compassion l'homme en situation de handicap comme obligatoirement malheureux. J'ai cité Jean-Louis Fournier, donc toujours pour ce livre, « Où on va papa ?», qui avait eu le prix Fémina. On peut faire des erreurs, hein, on desserre les clous. Jean-Louis Fournier croit souvent repérer chez ses fils de la tristesse. Parlant de son fils Mathieu, il nous dit « Il n'était pas beau ». Et surtout, il était triste. On a toujours eu l'impression qu'il se rendait compte de son état. Il devait penser, si j'avais su, je ne serais pas venu. Il est clair que Jean-Louis Fournier est triste. C'est un papa triste. Mais de ces tristes pour moi d'avoir un enfant handicapé, il semble glisser dans les handicapés sont tristes de l'être. D'une part, il peut y avoir un effet de miroir chez l'enfant. C'est la tristesse de ses parents qui influe sur sa propre humeur. Les psychologues de l'enfance handicapée savent que les enfants, même très démunis, peuvent être dramatiquement
conscients d'être la cause de la dépression de leurs parents. D'autre part, les enfants dits normaux aussi peuvent être tristes, taciturnes. Les aspirations des enfants sont parfois plus grandes que ce que leur statut d'enfant leur permet d'atteindre. Pourquoi faire nécessairement le lien entre tristesse et handicap? Les enfants handicapés ont aussi droit à la tristesse, à une tristesse humaine, et non pas une tristesse handicapée. On a ici une erreur logique, qui consiste à projeter la tristesse du parent sur celle de son enfant. Parlant de la mort de son fils Mathieu, de 15 ans, Jean-Louis Fournier conclut « Elle est terrible la mort de celui qui n'a jamais été heureux, celui qui est venu faire un petit tour sur terre seulement pour souffrir. » Il peut certes y avoir des problèmes physiques qui causent à l'enfant une douleur répétée, la scoliose accélérée, devoir porter un corset de métal, ce qui a été le cas du petit Mathieu, tout cela n'est pas physiquement épanouissant. Mais la limitation mentale est considérée comme une cause de tristesse bien davantage pour le parent que pour l'enfant qui en pâtit. C'est encore une fois le miroir d'un parent attristé ou d'enfant cruel qui font que ce que l'on est devient un problème et une source de tristesse. Pourquoi serions-nous tristes d'être tout bonnement ce que l'on est? Et c'est là où je fais intervenir l'ex-femme de Jean-Louis Fournier, qui s'est portée en faux contre ces analyses. Et elle a écrit dans un blog « Image particulièrement maltraitée dans le livre, d'après lequel il n'aurait été que des désastres, des boulets à traîner, inutiles et honteux, et avec qui on n'aurait pu établir aucune vraie, véritable relation. Je ne l'ai pas vécu comme ça. Tout au long de ma vie, j'ai pris le temps nécessaire pour connaître et apprécier mes garçons. Je peux vous affirmer que leur existence n'a pas été inutile. » Marcel Nuss, dont j'ai déjà parlé, qui est un écrivain affecté par une amyotrophie spinale infantile, maladie génétique qui se manifeste par une atrophie des muscles, mais qui n'affecte pas les fonctions intellectuelles. Il a un corps malingre, une tête surdimensionnée. C'est quelqu'un qui intervient dans les colloques, qui fait des conférences. Donc quand on l'amène sur un plateau, une sorte de silence dans la salle, comme il a beaucoup d'humour, il se décrit en disant « Je suis un choc visuel ». Et Marcel Nuss est un homme qui réussit sa vie d'homme. Je l'ai dit, conférencier, auteur, marié, divorcé, puis remarié, comme tout le monde finalement. Son existence présente des satisfactions qui étaient loin d'être gagnées d'avance. Cependant, il est obligé de constater à regret que plus de 50 ans après, ma mère continue régulièrement à me dire qu'elle préférerait quand même que je marche, tant cela reste inconcevable pour elle que son fils puisse être heureux dans cet état. Penser le handicap de façon appropriée implique un tel décentrement que même un proche peut passer à côté de la vie ressentie par la personne handicapée. Marcel Nuss insiste, aussi paradoxal que cela puisse paraître pour le lambda, être handicapé ne m'a jamais dérangé à proprement parler. Ce qui a été très longtemps inacceptable et insupportable pour moi, c'était les conséquences visiblement choquantes et pragmatiques du handicap, la contrainte qu'il faisait peser sur mes proches. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, pour son cas particulier en tout cas, qu'il a plus de mal à vivre à cause de la souffrance possible des valides proches à son égard que de sa propre souffrance. Mais pour lui, la vie vaut la peine d'être vécue. Être handicapé ne l'a jamais dérangé à proprement parler. Il faut savoir l'entendre. Alexandre Jolien, je l'ai déjà cité, montrait aussi que d'une façon globale, les signes extérieurs du handicap sont liés pour la personne valide au malheur, et Jolien s'oppose à cette erreur logique, encore une fois, empathie égocentrée. Jolien, j'ai longtemps cru que ces étiquettes étaient vraies, que l'équation handicapé égale malheureux est une loi établie, prouvée, incontestable. L'expérience quotidienne vient quelquefois délicieusement ruiner ces vérités établies. Le paralysé que tous prédisaient malheureux soutient le moral de qui le côtoie, cependant que l'élite intellectuelle promise à une somptueuse carrière sombre dans un mal-être sans mesure. Pourtant, il a tout pour être heureux. L'énoncé confine à l'ineptie. Le bonheur se confectionnera-t-il comme une brioche?
Ce que nous dit ici Jolien, c'est que les signes extérieurs d'une réussite économique, sociale, esthétique ne nous diront jamais ce qu'il en est de l'intériorité d'un individu. Vous avez régulièrement des stars au corps magnifique envié par des milliers et des millions de personnes qui se suicident. Tandis que la personne en situation de handicap au corps angoissant, comme Jolien, nous explique que souvent il soutient le moral de ses copains qui sont dits valides. Autre erreur logique contre laquelle il faut lutter, c'est cette liminalité qui caractérise la situation du handicap. Et je voudrais illustrer mon propos à travers l'évocation de Tarzan. Pourquoi Tarzan ? Parce que je suis tombé récemment sur un texte assez étonnant. Il s'agit des conditions posées par la société Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, c'est au départ le premier dessinateur de Tarzan, et qui gère les droits sur Tarzan. Vous connaissez ce héros de comics, mais qui ensuite a pu être adapté dans différentes bandes dessinées, et puis au cinéma. Et donc les droits du personnage sont possédés par la société, qui donne une liste d'exigences très précises pour tout professionnel qui veut utiliser le personnage de Tarzan. Donc il est écrit, Tarzan ne doit pas être représenté insensible au bien-être des autres, en particulier des femmes et des enfants. Il doit apparaître fort, énergique, bien rasé, en très bonne condition physique, ne pas être montré perdant la vie ou un membre, ou souffrant d'un quelconque trouble physique ou mental. Mais il est interdit de faire de Tarzan un héros égoïste, avide ou cruel, ou se moquant des déformations mentales ou physiques des autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, vous voyez que Tarzan doit apparaître fort, énergique, bien rasé, en très bonne condition physique, et il ne doit pas être montré perdant la vie ou un membre, ou souffrant d'un quelconque trouble physique ou mental. Donc d'un côté, c'est le côté héros, super-héros, mais il est interdit de faire Tarzan un héros égoïste, avide ou cruel, ou se moquant des déformations mentales ou physiques des autres. Donc ça nous dit beaucoup, cette liste contractuelle, des représentations puissantes qui œuvrent au sein d'une société. Pour la petite histoire d'ailleurs, Edgar Rice Burroughs a été réformé jeune d'un régiment de cavalerie à cause d'un problème cardiaque. Donc lui, il n'était pas tout puissant, il n'était pas un super-héros, mais on voit qu'un handicap peut amener parfois à un regard plus ouvert sur les déficiences ou à une revendication fantasmée de la superpuissance, de la surpuissance. Son héros de rêve, Tarzan, doit apparaître en très bonne condition physique. On dit dans la liste, il ne doit pas se moquer des déformations mentales ou physiques des autres, on peut se dire que c'est un point positif par rapport au domaine du handicap. Mais si on creuse plus avant, on comprend qu'en réalité, on est toujours dans cette situation qu'en sciences humaines, on qualifie de liminalité des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que ça veut dire, la liminalité ? Liminalité, c'est le fait d'être maintenu sur le seuil. Le concept avait été développé au départ par Van Gennep en 1909 dans un livre qui nous parlait des rites de passage dans des groupes ethniques où les individus, pendant une certaine période de temps, quitter le groupe pour passer une période isolée afin de traverser un rite. Et donc, à ce moment-là, on parlait de liminalité. C'était dans la liminalité. Eh bien, Robert Murphy, dans les années 80, l'anthropologue américain Robert Murphy, a développé le concept de liminalité par rapport au handicap en disant voilà, que la personne en situation de handicap est maintenue sur le seuil de la société. Les handicapés à long terme ne sont ni malades, ni en bonne santé, ni morts, ni pleinement vivants, ni en dehors de la société, ni tout à fait à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait à l'extérieur. Être à l'extérieur, c'est la barbarie nazie, c'est l'exclusion radicale. Mais pas tout à fait à l'intérieur non plus. Il y a une paroi invisible qui empêche à chaque fois une vie dite normale. Donc il est interdit de montrer Tarzan perdant la vie ou un membre ou souffrant d'un quelconque trouble physique ou mental. Ça montre la tolérance que doit avoir le personnage, mais il a toujours un regard compassionnel, un regard surplombant par rapport au handicap,
Parce qu'il ne faut surtout pas faire pénétrer le handicap dans le monde des Divali. C'est le statut de la liminalité. Tarzan regarde avec sympathie le handicap, mais il ne faut surtout pas qu'il le contamine. Tarzan appartient heureusement à une société qui n'est plus tout à fait la nôtre, et la bande dessinée américaine n'en est pas restée aux exigences des Rice Burroughs. Elle a évolué aussi pour pouvoir représenter ce qui a évolué au sein de la population, et on a vu apparaître des super-héros avec handicap. Alors il y a déjà assez longtemps, il y avait Daredevil, Daredevil pour les Français, c'est-à-dire il est aveugle, même s'il a un sens de l'ouïe surdéveloppé. Le professeur Xavier dans X-Men, qui est en fauteuil roulant, un autre étudiant de l'université des X-Men qui a une leucémie, Deadpool qui a un cancer généralisé, Iron Man qui a un problème au cœur. Dans Mad Max version 2015, c'est Charlize Theron qui joue Furiosa, elle est amputée d'un bras et c'est la plus forte de la bande. Donc on a des changements à travers la bande dessinée qui montrent que la liminalité peut-être progressivement gommé. Dernier concept que je voudrais avancer, ou avant-dernier concept, celui des compensations inopportunes. Les compensations inopportunes, comme réponse inadaptée à une vulnérabilité réelle, les professionnels qui travaillent dans le monde du handicap, les familles elles-mêmes, peuvent en venir à une forme de compassion qui les amène à vouloir retirer à la personne en situation de handicap un souci, un fardeau, une épreuve de la vie de tous les jours. Avec un raisonnement qui est, cela est déjà difficile d'être handicapé, alors on ne va pas lui ajouter ce poids supplémentaire. Si le raisonnement peut être légitime pour certaines tâches administratives, on comprend, voilà, il n'est pas capable de remplir sa fiche d'impôt, on va l'aider, mais ça peut virer à la faute humaine quand, sous prétexte d'alléger l'existence de l'autre, on lui retire ce qui fait partie de la condition humaine. Alors j'ai vu des exemples de ce type par rapport à l'épreuve du deuil avec des personnes qu'on n'avertit pas d'un enterrement ou que l'on préfère leur interdire la cérémonie en se disant qu'elles vont perturber la cérémonie, qu'elles n'y comprendront rien. Et donc là, vous avez un moment où la vulnérabilité de l'autre est prise comme prétexte pour lui supprimer une épreuve qui est certes difficile, mais qui appartient à notre condition humaine partagée. C'est là où a lieu une compensation, on compense par rapport à un handicap, mais une compensation inopportune, parce qu'elle est placée au mauvais endroit, là où elle ne devrait pas, où il ne devrait pas y avoir de passe-droit. Alors ce concept peut être appliqué dans un certain nombre de situations. On a parfois tendance à vouloir éviter aux personnes handicapées une vie affective, une vie sexuelle, on se dit « oulala, là on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup trop compliqué, elle ne sera pas capable psychiquement de supporter la souffrance », avec l'idée « voilà, il faudrait que l'expérience de vie de la personne handicapée ne soit que des expériences positives ». Nous avons tous certainement partagé des expériences affectives douloureuses. Ces expériences affectives douloureuses nous donnent une plus grande maturité, nous font avancer aussi dans l'existence et font partie, encore une fois, de la condition humaine. Alors après, évidemment, il faut prendre ce concept de compensation inopportune avec des pincettes, hein, parce que le dosage reste délicat. Il ne s'agirait pas que l'on passe des compensations inopportunes au rejet systématique et paresseux de tout accueil spécifique des difficultés. Bon, j'abrège un peu pour certains points et je passe à un dernier élément qui est une insistance sur le concept d'accessibilité. On a, avec la loi de 2005, beaucoup insisté sur l'accessibilité de la société aux personnes handicapées. Cette accessibilité est nécessaire. Il y a eu des travaux architecturaux importants qui ont été faits pour rendre accessibles les bâtiments pour des handicaps moteurs. Pour la déficience visuelle, on a travaillé sur la luminosité des affichages, pour les problèmes d'audition sur les traitements acoustiques des bâtiments municipaux.
Beaucoup de travaux ont été faits, mais il me semble qu'il y a un danger à insister trop sur cette accessibilité. Et moi, j'aimerais insister maintenant sur l'accessibilité relationnelle. Ce qui m'a donné cette idée-là, c'est une amie, Anice Chabert, qui me disait avoir repéré un défaut français dans la pensée de l'accessibilité. Contrairement, dit-elle, à des pays comme l'Allemagne, nous considérons en France qu'un ensemble est accessible à un fauteuil dès lors qu'il n'y a besoin d'aucune intervention humaine autre que celle de l'usager ou de celui qui l'accompagne, et que la technique pourvoit seule aux besoins. Cette image de l'accès est très réductrice dans la mesure où le jour où la technologie est défaillante, l'accès devient impossible. L'accès n'est pas qu'une affaire de porte large, de logo aménagé ou de plan incliné, c'est aussi une affaire humaine d'accueil et d'équipe. Ça c'est très important parce que l'exemple qu'elle me donnait, c'était l'exemple de la piscine. Anne-Lise aime beaucoup aller à la piscine, mais quand elle va dans la piscine de prédilection, il y a un bras articulé qui la fait descendre dans le bassin. Articulé qui met un certain temps à descendre dans le bassin. Et puis, cet appareil peut tomber en panne. Et un jour où il tombe en panne, elle arrive à la piscine, on lui dit « Ben non, vous ne pouvez pas rentrer dans la piscine, puisque le bras articulé est en panne. » Anne-Lise nous dit « Les maîtres nageurs n'ont jamais accepté de m'asseoir au bord du bassin pour des raisons dites de sécurité, et ce malgré mon petit gabarit. Le fauteuil de mise à l'eau dont on m'impose l'utilisation me paraît une pratique très stigmatisante, dans la mesure où ce fauteuil expose ceux qui l'utilisent au regard des autres nageurs pendant plusieurs minutes. » Alors, on comprend que... dans le monde du médico-social, par exemple, on utilise parfois des appareillages pour manipuler les patients, parce que sinon, les personnes vont avoir le dos embouilli à la fin de la journée. On le comprend très bien. Mais là, vous êtes dans le cas de figure où Anne-Lise est une jeune fille assez fluette. À la piscine, les maîtres nageurs, ils sont plutôt proches de Tarzan que d'un petit gabarit. Et il voit des personnes handicapées moteurs comme Anne-Lise assez rarement. Donc dans une journée, ça ne va pas mettre leur dos en compote que de la porter et de la déposer dans le bassin. Alors bien sûr, vous me direz, ah oui, mais peut-être que ça présente un danger de manipuler la personne. Bah, il suffit de le demander. Anne-Lise parle très bien, donc elle expliquera, non, ça ne me pose aucun problème si vous me prenez dans vos bras. Et que vous, dans vos bras puissants, et que vous me déposez dans l'eau, j'aime beaucoup Tarzan, voilà. Donc ça se passera sans problème. Mais ici, vous voyez en quoi la technologie devient un prétexte pour se dédouaner de l'accueil relationnel. Et c'est là où le handicap, c'est quelque chose qui est relatif. C'est un concept relatif, c'est pas un concept absolu. Et en cela, il faut distinguer le handicap et la déficience. La déficience peut avoir un aspect objectif, encore que là aussi ça pourrait se discuter, mais un aspect objectif. De la même façon qu'une personne qui arrive en fauteuil roulant devant un bus, si le bus est un bus à l'ancienne, il aura du mal à rentrer, donc sa déficience est importante, son handicap aussi. En revanche, si c'est un bus à plancher surbaissé, là il rentre facilement dans le bus. Sa déficience est la même, son handicap a diminué. Vous voyez la différence entre déficience et handicap. Le handicap est un concept relatif. Eh bien, ici, il faut l'appliquer aussi dans le domaine du psychique. Le handicap, c'est aussi le fait que, face à vous, vous ayez une personne qui n'ait aucune patience, qui ne soit pas capable de se mettre à votre place. Si vous avez une personne autiste à qui le médecin demande « Est-ce que vous avez votre ordonnance ?» Personne répond oui. Est-ce que vous avez votre ordonnance? Oui. Et que s'ensuit une sorte de dialogue de sourds, oubliant que finalement, il faudrait peut-être poser la question, est-ce que vous pouvez me la donner? Petite question supplémentaire, mais qui implique un effort de décentrement. Et là, on s'aperçoit que le handicap de l'autre diminue. On a tous une baguette magique pour faire diminuer le handicap de l'autre. Et c'est en cela que l'insistance trop forte sur l'accessibilité physique avec des logos, encore une fois, des zones aménagées, etc., et peut être
comment dire, un exutoire qui nous empêche de voir l'essentiel. J'ai beaucoup parlé et j'arrive à ma conclusion. J'arrive à ma conclusion. Nous ne résoudrons pas les problèmes des enfants d'aujourd'hui par des réponses strictement somatiques. La complexité des relations et des histoires familiales ne se dissout pas avec de la ritaline. Ce type de camisole chimique ne fait qu'annihiler le sujet au point qu'on puisse parfois parler de meurtre déguisé de l'enfant. Mon message philosophique consiste à désenclaver la question du handicap de sa réduction à un problème médical physiologique. Le handicap n'est pas tant un problème physique, physiologique, qu'un problème social, un problème de regard, un problème relationnel. Le handicap peut se révéler, selon la formule de Robert Murphy, comme un cancer du moi et une maladie des relations sociales. La personne en situation de handicap ne pâtit pas d'un problème physique ou psychique, mais surtout d'une contamination de son sentiment d'identité et d'une perte dramatique de confiance en soi. Nous vivons, nous les hommes, dans l'intersubjectivité et le regard des autres. L'effort pour vivre vraiment en commun est un appel pour enrichir notre humanité à tous. Robert Murphy encore expliquait les avantages collatéraux d'avoir un enfant handicapé. Il disait que plusieurs parents précisaient qu'ils étaient devenus plus détendus et plus indulgents avec leurs autres enfants, réaction qu'ils attribuaient à leur indulgence pour l'enfant malade et à leur désir d'éviter le favoritisme. Bref, les relations de réciprocité familiale devenaient plus fortes et le rôle parental prenait de la maturité, tandis que ses aspects disciplinaires s'atténuaient. Le handicap place un individu et sa famille au sein d'une vie particulière. Bien sûr, il ne faut pas exacerber les différences au point d'en faire une vie autre. Si certains épisodes sont spécifiques au regard particulier que pose notre société de valides sur le handicap, d'autres épisodes sont communs au destin humain. Il y a peut-être un effort à faire pour ne pas penser les choses immédiatement en termes d'enfants handicapés, de frères handicapés ou de sœurs handicapées. Il y a en premier lieu un enfant, un frère ou une sœur. La question du handicap peut parfois se poser beaucoup moins, voire pas du tout pour la famille. Elle a appris à vivre avec, telle une composante de l'existence comme une autre. Le problème, et il est de taille, c'est qu'elle se pose pour beaucoup d'autres dits valides qui représentent l'opinion. Les handicapés nous font peur parce qu'ils sont la caricature vivante de ce que nous sommes et de ce que nous ne voulons pas accepter. Imparfaits, nous sommes imparfaits. Dans Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud, en 1901, avait une formule provocante: « Nous sommes tous plus ou moins névrosés ». Il s'agissait pour lui d'affirmer que les structures complexes de la névrose qui empêchent tel ou tel patient de vivre peuvent se retrouver dans le rêve, le tic ou le toc de telle personne qui vit sa vie avec un certain bonheur. Nous commettons tous des actes manqués, des lapsus qui peuvent nous gêner, voire nous faire rire. Derrière les apparences de normalité, nous avons tous aussi nos blessures secrètes, nos manières de rater systématiquement tel ou tel type de relation. Tout comme le névrosé magnifique permettait à chacun de voir par agrandissement ses propres petites psychopathologies, la personne handicapée nous permet, pour peu qu'on fasse l'effort de s'y intéresser, de nous faire découvrir qu'elle n'est pas différente de nous sur l'essentiel et que nous sommes comme elle dans nos petites déficiences. Comme le dit Simone Corfsos, le vrai problème n'est pas la différence mais la ressemblance. S'il me ressemble, il est un miroir dans lequel je risque de reconnaître une part de moi-même que je n'admets pas, voire qui me fait horreur. Plutôt que de revendiquer le droit à la différence, il est donc beaucoup plus dérangeant de réclamer le droit à la ressemblance. La confrontation avec le handicap peut nous aider à sortir de nous-mêmes. Le handicap nous dit qu'il y a des manières différentes d'être humain. Mais les personnes handicapées sont des humains à part entière. Ils doivent donc pouvoir assumer la condition humaine dans toute son extension. Le handicap est une possibilité générale de l'existence. Elle porte en elle la forme entière de l'humaine condition. Je vous remercie. Quand même, tout votre propos sur les personnes handicapées mentales et les enfants qui apparaissent à la naissance handicapés me trouble un peu parce que je m'interroge quand même.
mais c'est une question qui n'est pas une question de philosophie, mais une question très pratique à laquelle vous avez sans doute quand même un des éléments de réponse. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'avortements provoqués suite à un diagnostic prénatal qui laisse entendre, qui a supposé la présence d'un bébé futur handicapé? N'est-on pas en plein eugénisme depuis quelque temps? Alors, je ne vous donnerai pas de chiffres, hein, je ne suis pas sociologue, mais c'est une question sérieuse que vous posez. Et, j'aborde justement dans la troisième partie de mon livre, pour tout vous dire. Oui, c'est une vraie question. Le CCNE, le Comité National Consultatif d'Éthique, qui est une instance qui donne des avis, le gouvernement, les députés ne sont pas obligés de suivre le CCNE, mais enfin on les écoute comme des sages, avait expliqué que le dépistage systématique leur semblait une atteinte aux personnes vivantes et qui disent finalement une personne trisomique, par exemple, ça ne devrait pas exister, donc on oblige à ce dépistage systématique. Et qu'il y avait effectivement une tendance eugéniste. Et donc le législateur, comme on dit, n'a pas suivi ce conseil du CCNE qui disait qu'il ne faut pas que ça soit obligatoire. Et donc effectivement, il y a une dérive. Je me suis trouvé moi-même dans une situation où j'ai vu une jeune médecin qui expliquait à une femme qu'il fallait qu'elle fasse un dépistage, qu'il y avait un risque possible, parce que le risque qui était sorti de la boîte, c'était une chance sur une malchance sur 300, quelque chose comme ça. Et donc il fallait absolument qu'elle fasse un test. Et donc la jeune femme, qui est une jeune femme modeste et puis qui est de milieu un peu défavorisé, disait mais non, mon enfant ne sera pas comme ça. Et la médecin est allée brandir une photo où elle montrait le visage d'un garçon trisomique et d'une fille trisomique. Elle disait voilà, il sera comme ça votre enfant, ce qui n'était pas sûr. Il y avait une chance sur 300, comme disent les médecins. Il peut être comme ça votre enfant. Et j'ai vu la jeune femme fondre en larmes. C'est une violence énorme de faire ce genre de choses. Déjà, présenter des images d'enfants trisomiques, c'est sûr que pour quelqu'un qui n'envisage pas que son enfant puisse être trisomique, voir un visage d'une personne trisomique, ça peut provoquer un choc. Mais quand c'est son propre bébé, c'est pas du tout la même chose, là aussi. Donc là, c'était ce que j'essayais d'expliquer au début, cette différence entre le temps d'accepter les choses lorsque c'est notre propre enfant et la différence avec des images, avec ce côté médiatique. Hein. Donc oui, vous avez raison qu'il y a une tendance à l'eugénisme hein, qui n'est pas assumée, clairement. Je suis d'accord avec vous.